Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment voir la corbeille sur iPhone. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer, iPhone prédispose des corbeilles dans la majorité de leurs applications. C'est-à-dire que pour chaque application, basiquement pour chaque type de fichier, tu pourras percevoir une corbeille dans l'application en question. Donc là, par exemple, dans Fichier, là, si tu ressors juste, tu ressors complètement, tu pourras voir suppression récente qui sera la corbeille pour les fichiers de ton iPhone. Donc là, tu pourras voir les fichiers que tu as récemment supprimés de ton iPhone. Et donc là, si tu ressors et que tu vas sur les photos, là, si tu ressors complètement, tu pourras voir une section tout en bas, celle de supprimer récemment. Donc tu pourras juste cliquer et entrer dans supprimer récemment pour pouvoir accéder à toutes les photos et vidéos que tu as supprimées dans ton iPhone. Et donc aussi dans les notes, là sur la page d'accueil des notes, tu pourras percevoir les notes, les différentes notes et aussi l'option de supprimer récemment qui pourra te permettre d'avoir accès à ta corbeille de tes fichiers notes et tes écrits. Ainsi, tu pourras observer cela pour les autres applications dans ton iPhone. Et c'est aussi simple que ça.